Algérie, réunion du Parlement mardi 8h GMT pour nommer le président par intérim. Alger, 6 avril 2019, AFP, le Parlement algérien se réunira mardi à 8h GMT pour nommer le président par intérim, a annoncé samedi soir le Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, la Constitution prévoyant que cette responsabilité incombe au préside du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. Cette session aura lieu une semaine après l'annonce, le 2 avril au soir, de la démission, sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée, du préside Abdelaziz Bouteflika après 20 années au pouvoir. La tenue de cette session réunissant les deux chambres parlementaires a été décidée après une réunion jeudi, sous la présidence d'Abdelkader Ben Salah, d'après un communiqué du Conseil de la Nation cité par l'agence de presse officielle APS. Selon la Constitution, M. Ben Salah, préside du Conseil de la Nation, devrait assurer l'intérim durant une période de 90 jours maximum et organiser une élection présidentielle dans ce délai. Mardi, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, présidera la réunion du Parlement pour en annoncer la vacance du poste de préside de la République et ensuite désigner Abdelkader Ben Salah comme chef d'État, a déclaré peu après Al-AFP Salim Rebahi, chargé de la communication de cette chambre haute du Parlement. Dimanche, 7 avril, se réunira la commission mixte chargée de l'élaboration du règlement du déroulement des travaux du Parlement siégeant en chambre réunie, a-t-il ajouté, précisant que ce règlement doit être voté mardi avant la désignation du chef de l'État. Préside depuis près de 17 ans du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, 77 ans, est un pur produit du régime algérien et un fidèle de Monsieur Bouteflika. Député, ambassadeur, haut fonctionnaire ministériel, sénateur, il a multiplié les fonctions et présidé les deux chambres du Parlement, sans jamais devenir ministre. Les manifestants algériens, qui battent le pavé depuis plus d'un mois et demi, sont à nouveau sortis dans la rue vendredi pour signifier leur refus de toute implication des anciens fidèles de M. Bouteflika dans la transition politique.